Donc moi je m'appelle Chloé Isidore. Et moi c'est Kelvin Mirouz. Nous notre projet c'est Bob Theory. Bob Theory c'est une série qui veut parler de la découverte des genres musicaux et plus principalement de vulgariser ces genres musicaux. Tu utilises souvent ton lecteur de vinyle ? J'aimerais bien l'essayer. De temps en temps, oui. J'en ai plein dans le meuble à côté de moi si tu veux mettre un truc. Quand on a réalisé le projet, on s'est rendu compte que certains genres musicaux étaient bien plus écoutés que d'autres. Par exemple, le rap et la pop, chez les jeunes, ce sont les deux genres les plus écoutés. Et du coup, on voulait mettre en lumière les autres genres qui sont bien moins écoutés, mais qui méritent tout autant de l'être. Et on s'est rendu compte récemment, avec par exemple des plateformes comme YouTube et TikTok, que la vidéo était quelque chose que les jeunes consommaient le plus. Suite à cette constatation, on en est venu à notre question principale pour notre sujet, de comment transmettre par le motion design et par une plateforme que les jeunes apprécient, ici en l'occurrence la vidéo, comment leur faire découvrir des genres plus méconnus. Donc ça c'est la série Bob Theory, donc c'est le premier épisode de pilote qui parle du genre rockabilly. Chaque épisode est assez court pour attirer ce public-là de jeunes. Donc on est à peu près autour de 5 minutes par épisode. Et en fait, nos deux personnages ici se déplacent dans un monde parallèle qui représente l'univers du genre musical. Et donc ils vont de scène en scène pour découvrir l'époque, l'histoire et tout ce qui fait le rockabilly en fait. Du coup, notre web-série, on l'a imaginée directement hébergée sur les plateformes de streaming musical du type Spotify, Deezer. Ça nous permet de plusieurs choses, notamment d'avoir accès à leur bibliothèque musicale et aussi parce que ces applications développent de plus en plus en ce moment l'aspect vidéo dans leur format, notamment Spotify depuis mai 2020 qui a créé une section spécifique sur leur site web de documentaires et de séries exclusives pour amener de plus en plus la vidéo du coup sur leur plateforme.